Et bonjour à tous et à toutes, Safter, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 9 de Minecrafter. Alors, à la place aujourd'hui, normalement il devait y avoir un Divine RPG, malheureusement j'ai énormément de bugs et de crash avec Divine RPG, alors cette semaine je vais essayer de rectifier ça, mais pour l'instant je ne peux malheureusement plus jouer à Divine RPG. Du coup, vu qu'hier je vous ai pas sorti un petit épisode de Minecrafter, on va le faire aujourd'hui. Dans cette épisode en solo, j'ai fait ceci, donc j'ai avancé d'un cran pour faire une petite pièce juste au-dessus. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire un pont comme ça qui va aller dans un autre bâtiment, et ce bâtiment là il y aura au-dessus un étage trophée, donc trophée, tout ce qui est porte armure etc. Et en bas, il y aura sûrement tout ce qui est dimension et portail. Voilà, comme ça vous savez. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille dans le Nether un petit peu. J'ai été chercher un petit peu d'obsidienne. En passant, j'ai pris des minerais d'or pour essayer de me faire, par exemple, des pommes assez cheatées en or. Ça peut vachement nous aider. Donc je vais essayer de préparer un petit stuff quand même très très compétent, enfin très très bon, pour aller dans l'end futurement. On verra quand on ira, parce que l'end est assez dur, vraiment très très dur comme dimension, puisque ça a été vraiment très très modifié grâce au mode qui comporte, enfin le mode qui ajoute plein de modifications à l'end. Le portail du Nether, j'hésite, parce que franchement j'hésite. Peut-être me faire une pièce par ici, hop, pour aller au portail, donc descendre par exemple un tout petit peu. J'ai trouvé différents styles de matériaux qui pourraient plutôt être beaux à être posés. Du coup, je peux peut-être le tester. Alors, on va le descendre juste d'un petit étage, histoire de faire joli. Et puis, après, on va faire genre une mini-pièce où on mettra le portail de l'end. Ce qui peut... Enfin, ce qui est plutôt cool, puisque je voulais quand même le faire depuis un épisode ou deux, mais j'avais toujours pas trouvé d'obsidienne. Là, je me suis dit, allez, là, on va miner. Et donc, j'ai trouvé un peu d'obsidienne, donc... c'est cool. Et puis comme ça, ici je vais peut-être essayer de créer une pièce, donc vraiment une pièce toute petite, mais avec l'ambiance de l'end, ça peut être marrant. Franchement, ça peut le faire avec, genre par exemple, mettre de la netherrack ici, mettre un petit peu du truc de forteresse là. Enfin bref, plein de petites choses qui peuvent être plutôt jolies. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le portail comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Ici, et on va mettre donc l'obsidienne ici pour faire le portail. Les obsidiennes, je les ai ici. Voilà, hop, hop. Et puis on modifiera la salle par après. Alors, il me faut un petit briquet, un escalier également. J'en ai un ici. Nickel, hop. Voilà, je pense pas qu'on peut faire d'escalier en marbre, donc on peut pas faire grand chose en marbre. C'est dommage. Hop. Alors, j'ai pas besoin de ça. Et j'ai trouvé du zectium. Le zectium, j'en avais pas trouvé énormément. Hop. Donc, par contre, les vaches, elles commencent à m'énerver un petit peu. Du zectium, et puis on fera sûrement des petites armures avec ça. C'est plus puissant que le diamant, donc on va voir ce que ça peut faire. Enfin, si ça peut nous protéger, on va essayer de faire des petites armures avec ça. Donc voilà, je vais mettre le zectium à cuire. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Ok, je pensais que ça irait plus vite. Ça, on va le remettre dedans. J'ai pas besoin du diamant. J'ai même une flèche de poison que j'ai pas besoin. Une météorite coal. Un peu de charbon. Et puis le reste, on n'a pas trop besoin. Je ferai une table d'enchant avec ça. Hop, le zectium. Et on va le mettre dans le zectium ingot. Alors, j'aimerais bien réaliser d'autres fours, les fours rouges. Alors là, j'ai des petits bugs. J'en suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui se passe, mais du coup, je vais aller tuer des vaches parce que elles font déjà trop de bruit et ça tombe. Ça donne trop. Enfin, c'est ça qui fait bugger un petit peu. Donc, je ne sais pas. Oh punaise, le son est fort quand même. Ne bug pas, petit jeu, ne bug pas. C'est des freeze, hein. Faudrait peut-être que je
Je tarde mon PC un petit peu. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je me suis dit je vais pas les laisser sans rien aujourd'hui. Étant donné que Divine RPG, malheureusement, bah je peux pas vous le tourner, ça crash, j'arrive même plus à me connecter sur le jeu. Enfin, à aller sur mon mode solo, j'arrive pas tout simplement, je mets Divine RPG, donc j'ai créé un profil Divine RPG. Et on va dire que ça crash un petit peu, enfin ça fait que ça en fait. Donc, arrêtez de courir. Arrête de courir, tu vas mourir. T'es pas très intelligente quand même. Et voilà. Oh, ça gueule aussi ces trucs. Voilà, comme ça on aura peut-être assez. Oh, elles deviennent grandes. Wow, vous venez d'assister à des transformations de petite à mature vache. D'accord. Bon, on va aller dormir parce que je pense que c'est le mieux à faire. Et puis on va allumer ce petit portail du Nether. Voilà. Bon. Dans le Nether, je pense que je vais désactiver les shaders pour le Nether puisque déjà de 1 ça va me faire énormément bugger. Et de 2, je pense pas que ça puisse. Enfin, ça va être beau puisque effectivement on a. Enfin, c'est pas. Je pense pas que le shader est assez beau pour le Nether, donc on verra. Hop, c'est de l'autre sens. Voilà. On va allumer nos petits portails. Ça tombe, ça va juste faire cracher. Il est beau le portail quand même. Et voilà, on est parti. On va voir ce qui nous attend là derrière. Succès déverrouillé. Attention, là ça va être le gros freeze. Il va falloir même prendre. Oh, c'est cool, on arrive quand même dans des zones plutôt correctes. Et ben, il n'y a pas de freeze. Et en plus, il y a des ajouts au Nether. Alors, ici, il y a un peu de quartz. Ce qu'on pourra utiliser peut-être pour faire des petites choses différentes. Je vais regarder si le quartz. Alors, le bloc de quartz. On peut en faire quelque chose avec chisel. Normalement, je devrais avoir. Ouais, voilà. Mon chisel avec moi. Le bloc de quartz, on peut rien faire. C'est que sur les blocs voilà, ici il y a de la limestone, c'est assez spécial mais c'est plutôt beau. On peut l'utiliser également pour faire notre petite salle du portail. Ça peut être beau. Et du coup un bâtiment à portail ça sert à rien parce que je pensais qu'il y avait plusieurs dimensions, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait, enfin pas mal quoi. Donc alors ça je sais pas trop ce que c'est. What the fuck, c'est quoi? Alors des white luminite crystal, et ça sert à rien. Mais à quoi ça sert aussi? D'accord, rien. Bon, je sais pas, j'arrive pas à voir le craft des luminite crystal. Je vais regarder luminite crystal. Et si je fais comme ça? Non plus. C'est assez spécial comme chose. Hein. Peut-être que c'est pour de la lumière, ou je sais pas, de la décoration. Que sais-je. Est-ce qu'on a un donjon près d'ici? What? Il est cool le Nether avec le shader en fait. Il va falloir faire attention. Ça c'est de la sandstone je pense. Ah non, c'est un nouveau bloc. Ok, bon. Alors, c'est de la dark stone. La dark stone, on peut faire de la dark stone ingot. Et avec ça, on peut rien faire. Oh, si, on doit savoir pouvoir faire quelque chose avec ça, je pense. Hop. Je vais en prendre un petit peu. Ça tombe, on peut faire un stuff. Hein, je vais regarder. Une dizaine, ouais. Hop. Ah, y a plein de petites nouveautés, c'est cool. Un monstre. Vous savez, tape pas trop fort. Ok, et ça nous a donné Earth of Fire. Et ça peut faire des essences of fire. Ou peut-être autre chose, je sais pas. Et j'aimerais bien en fait trouver par exemple un petit donjon que je puisse aller chercher
La Netherworld. Donc je me suis trompé dans tout à l'heure en fait. Ouh putain, mais il y en a plein. Lui il a l'air plus costaud. Aïe 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 aïe, il me fait pas trop mal non plus. Attends. Fou lui quoi. What? Ok, donc il y en a plein. Ma bouffe. Ma petite bouffe. Putain, ouais. C'est. Oh, attention. Oh. L'esquive de malade. Bah, je vais prendre un petit peu de quartz parce que ça pourra peut-être faire beau dans. Dans la maison, et puis il faudrait peut-être que je j'utilise mes niveaux puisque du coup j'en fais rien des niveaux, mais ça pourrait être utile quand même. Hop, on va ajouter ça. Ouais, ça pourrait être utile les niveaux. Genre je vais essayer d'utiliser j'ai pas d'arc. Je peux pas le tuer ni l'affronter. Donc on va aller retourner dans notre petite base. C'est un peu dangereux le Nether pour nous. Quoique c'est pas encore. Oui. Voilà. Ouh, une petite larme. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Allez, on retourne chez nous. On va y rapporter un petit peu ce qu'on a trouvé. Et puis on va faire la pièce, hein, écoutez. Hop. Et c'est de la Nether Block et pas de la Nether World que je disais que je voulais mettre. Hop. Voilà, donc ça, je vais tirer un peu tout ça. Tiens, je vais aller chercher de la Nether Wart. Non, de la Nether Block, pardon. Excusez-moi, mais je me trompe. Ouf, ça va être dangereux quand même. Faudrait que je save. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me virer ça. C'est pas utile. Et maintenant, je prends un tout petit peu. Je n'avais pas besoin d'énormément, mais quand même un petit peu. Puis je le fais fond. Enfin, j'en ferai fondre. Je vais prendre un petit stack, quoi. Mais c'est dommage que ça va pas plus vite. Genre. Comme une pioche Efficiency 4. En diamant. Hop. 45, c'est bon, ça va aller vite. Hop. Et puis après, je vais le faire cuire et puis on en fera une petite pièce. Je viendrai sûrement en rechercher. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ouh, punaise, il m'a foutu les boules. Et puis, c'est qui le papa? C'est dommage qu'on ne peut pas faire une armure avec ça. Ça aurait été cool. Allez, on rentre chez nous. L'escalier c'est juste provisoire. Je vais mettre les blocs de Nether. Voilà ici. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'ai pas mis de charcoal. Ici je vais mettre le bœuf. Pourquoi j'entends encore des bruits de. Enfin des gens du Nether. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est comme ça que je vais récupérer de l'or en fait. Yeah. J'espère qu'il n'y en a pas qui viendront me tuer dans ma base. Du coup on se fera sûrement une petite salle d'enchantement par ici du coup. Alors ici qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bon ouais, je vais garder ça. Il faut aussi peut-être faire le plafond parce qu'il est pas très beau le plafond. Enfin c'est de la dirt quoi, c'est pas. C'est pas le truc le plus beau au monde, quoi. La limestone, par contre, elle est belle. C'est dommage que j'en ai pas plus. Et j'aimerais bien en faire. Donc, je vais regarder comment on en fait. On peut pas en faire, faut aller la chercher. Parce que pour l'ambiance du portail du Nether, ça peut le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre du quartz. Mais j'ai 4 blocs, quoi. Oh, c'est pas énorme, mais bon. Alors, je vais regarder aussi un petit truc. Le Dark Stone. Je vais faire cuire en bas. Hop. Voilà. Merci bien. Ouais, faudrait que je fasse cuire ça. Oh, c'est déjà cuit, génial. Du coup, j'ai assez de bouffe. Je vais aller la mettre dans le coffre.
Hop, c'est vrai que les shaders c'est assez gênant avec mon PC, mais sinon ils sont juste magnifiques. Hein. Je pense que vous me l'avez tous dit qu'ils étaient magnifiques, donc je partage ma vie avec vous. Prochain épisode, je vais regarder comment on adopte un petit éléphant parce que j'aimerais bien avoir un petit éléphant à moi. Puisqu'on peut faire divers objets, donc je vais vous montrer. On peut faire par exemple un coffre pour éléphant. Donc, alors attendez que je regarde. C'est pas ici. Attendez, hop, chest. Regardez, on peut faire un petit chest set. On peut faire des trucs comme ça, vous voyez. C'est des petits porte-bagages. On peut même monter sur l'éléphant grâce à un porte-humain, entre guillemets. Je vais dire ça comme ça. Ouais, un porte-humain. Voilà, donc comme ça, vous voyez. Hop, hop, des briques. 16 briques du Nether. On va en mettre un petit peu. 2, 3 comme ça par-ci par-là. Sur les murs. Un peu ambiance Nether. Hop. Comme ça. On va en mettre. Ouais, ici. Puis on en mettra un petit peu au plafond aussi. Hop. Hop. Hop, hop. Et puis voilà, je pense que c'est bien comme ça. Ouais, je pense que c'est suffisant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Ah, j'aurais amené de la limestone, je pense que ça peut être magnifique. Avec. Hop, attendez. Et est-ce que je peux mettre, par exemple. Oh, génial! Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Genre ça, on va tester pour voir si c'est beau ou pas. Oh ouais, ça le pète! Hop, hop. Ah ouais, ça claque quand même ça. On va mettre un petit peu ici. Voilà, ma dernière. Ouais, c'est plutôt beau. Franchement. Suffit de un petit peu mettre. Du coup, je vais aller rechercher quelques trucs. Espérant ne pas me faire aggro par les pigmen. Bonjour. Ils sont pas trop méchants. Du coup, je vais aller en chercher un petit peu. Parce que je trouve ça beau. Alors, je vais tout de suite regarder. On peut même faire différents trucs avec. Oh putain, c'est super bien pensé. Et donc ça, normal. Ah ouais, je vais même utiliser ça. Ça, on peut pas. Dommage. Ça, c'est rien. Ouais, ça va pas trop le faire non plus. Ouais, donc je vais utiliser la stone normale et. Enfin, la modifier avec le mode chisel. Et un petit peu de. De quartz, je sais pas, parce que ça le ferait pas trop dans l'ambiance feu. Hein, ouais, non, ça le fait pas trop. Mais un peu de comment ça s'appelle? De nether. Bloc. De roche du nether. Excusez-moi de mon expression. Modifié, je pense que ça peut juste péter. Alors, hop, poudre à canon, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. J'utilise. Faudrait que je me vide un petit peu dans les coffres. Hop. Il n'y a pas de lumière. Tout le temps penser à tout. Voilà. Hop, ça arrangera tout. Hop. Hop. Voilà. Et puis je vais prendre un tout petit peu de roche du Nether. Encore un petit peu parce que c'est utile. C'est beau. Et on aime ça. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche donc. C'est assez gênant de parler avec la gorge sèche. Ça m'arrive pas souvent dans les vidéos, mais. Deux fois ça m'arrive comme ça. Hop. Je vais aller faire cuire. Parce que, franchement, c'est super beau. Je suis content d'avoir vu ça. Hop. Je vais refaire un tout petit peu de bloc. Voilà, notre Dark Ingot. Voilà, et on peut regarder qu'est-ce qu'on peut en faire.
Et si on fait ça? Ça sert à rien en fait. Bah, ça sert à quoi un Dark Ingot? Darkstone Ingot. Pff, ça sert à rien du tout. Et est-ce que, genre, le chisel, on peut modifier la Darkstone? Ouais, mais pas en ingot, mais. La Darkstone tout court. Je sais pas si j'ai déjà regardé ou pas, mais. On va faire un petit dodo. Mais bon. Voilà. Je vais regarder. On va finir notre petite pièce parce que. Il est temps de la finir. Puis je trouve que ça pète un petit coin comme ça qui descend et ça fait un coin. Vraiment assez. Assez. Comment dire. C'est mystique, assez. Ouais, c'est mystique, ouais. Je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça, je vais l'utiliser? Je vais regarder ça, ce que ça donne. Ça m'a l'air beau quand même. Ouais, ça pète aussi. Un petit peu dans le coin. Pas trop concentré le tout, mais bon. J'ai cru voir un creeper dans ma base, je suis là. Oh, fuck au creeper. Voilà. Non, pas ça. Ça, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer nos blocs de pierre. On va essayer de prendre quelque chose, genre comme ça. Genre, ouais, ça peut péter ça aussi. Alors ça par contre c'est trop flag. Du coup je vais le foutre ici. Ici on va foutre voilà, ça. Un petit peu. Ah ouais mais ça fait stylé avec la pierre. Hop. Bon je vais pas trop en mettre parce que enfin au bout d'un moment ça fait, c'est plus très très stylé mais. Hop. Voilà, mettre ici, un peu ici. Là, on va mettre ici en bas. Voilà, on va mettre là, là. Voilà, et ici normalement ça cuit notre petite chose voulue. Voilà, on va faire des briques. Et avec Chisel, on va les changer en une autre forme de brique. Alors, il y a quoi d'autre que je pourrais tester? Un truc de ce style-là. Je vais tester ça. Ça peut faire beau. Ah ouais. Ça va, c'est pas trop moche, mais pas trop en fait. Voilà. Ce que je peux mettre ici. De la pierre. Ah, de la limestone, allez hop. Limestone, on va foutre les 4 seuls qu'on a. Voilà, ici comme ça. Et donc, du coup, ici, il faut changer aussi. Et ici, on peut mettre. Chaque côté, ouais. Un truc. Ouais. Ouais, ça gère comme ça. Allez. D'accord. Ceci est un bug. Voilà. Et on peut mettre. Je vais reprendre directement ça. Et on va remettre un truc comme ça. Voilà. Bah, ça rend bien. Écoutez. Ah, ici, il faut un petit truc comme ça. Eh, mais ça rend super bien. Regardez. Ça rend bien, ça passe vraiment d'une ambiance plus vraiment nether quoi. C'est ouais, ça pète. Franchement, c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prochain épisode, je vais essayer de regarder pour adopter un petit éléphant et faire peut-être une table d'enchantement histoire de faire déjà des petits stuff assez cheatés. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. La pierre, on va la mettre là. Les minerais, on va les mettre ici. Et je vais dire au revoir sur notre petite maison fort sympatoche, notre petite
salle à Nether. Fort sympatoche. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez vraiment mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas le Twitter. Et à bientôt.